Et bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo différente. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des petits jeux indés comme ça. J'ai fait le calendrier de l'indé, vous savez, il y a peu de temps, mais c'était avec des jeux plus ou moins connus. Distance l'était pas. Par contre, oh, j'ai oublié le nom de l'autre. L'autre était très connu. J'ai oublié, oh, j'ai un trou de mémoire, mais c'est pas grave. Ça a été diffusé en décembre pour ceux qui veulent éventuellement rechercher. Et aujourd'hui, un petit jeu assez bourrin comme je les aime, roguelike puisque c'est des donjons qui sont générés de façon aléatoire avec des petites classes à la con. Vous allez voir, c'est assez sympa. Alors le jeu est en accès anticipé pour l'instant. Il coûte vraiment que dalle. Je crois qu'il coûte 3 euros, une connerie comme ça. Donc pour ceux qui seraient intéressés. C'est assez rigolo. Et puis bon, je vais faire une petite démo de ce que c'est. Seul petit bémol, et je tiens à le préciser maintenant, c'est que y a aucun moyen de configurer les contrôles. Mais du genre zéro. C'est du genre non, tu fais avec les contrôles qu'il y a. Bon, les contrôles sont pas difficiles, mais quand même. J'ai cherché partout, y a pas moyen là-dedans. C'est voilà, j'ai testé un petit peu. Hop. Voilà, on a le game design et tout. Bon, c'est des c'est Ragav Mature, je crois, le mec, ouais, c'est ça. Non, c'est pas lui, attendez. Le studio, c'est Black Shell Games. Alors vous connaissez peut-être parce qu'ils ont sorti un RPG il y a peu de temps en ASCII qui était vraiment pas mal. Donc voilà. Alors, on va voir d'ailleurs si ça... je peux l'upgrade maintenant que j'ai de la thune. Ouh, tier 2, plus 5 attaques. Allez, go, jouons avec des warriors. Donc les contrôles, c'est WASD, donc c'est sur un clavier QWERTY. Ce qui peut poser problème bien évidemment pour vous. Bon, après, il n'y a pas 36 000 contrôles, c'est pas difficile. Donc, si jamais vous avez ce souci-là, j'ai trouvé une petite astuce, à savoir, voilà, là je suis en QWERTY, donc ça passe pas. Vous faites Alt-Shift, qui permet de passer votre clavier AZERTY en QWERTY. Et donc là, j'ai mes contrôles classiques ZQSD. Donc voilà. Oh, nice! Un petit NPC, il va venir m'aider. Équipons-nous du matos. Alors, je vois... Pourquoi je vois pas le... Je vois pas mes stats. C'est avec le Alt ou le Shift? Oh non, j'étais censé le voir. Bon, petit matos. Alors, c'est vraiment de la 2D, du pixel art très classique. Et ça joue relativement simple. Là, on attaque et c'est des grosses hordes de monstres. Ça reste très dans le classique. Bonjour, messieurs. On prend. On s'équipe. Alors, normalement, je suis censé pouvoir avoir mon stuff. Et je sais pas pourquoi je le vois pas. Ah, voilà. Ok, là je le vois. Je le vois que par moment. Marrant, tiens. Ça va revenir, donc. Donc on a du stuff, enfin vraiment classique, vous allez voir. Et sur chaque level, normalement, il y a un boss. Chaque level étant généré aléatoirement, il reste quand même. Alors lui, c'est moins bien. 2 MP5. Qu'est-ce que c'est les MP5? C'est des points magiques, je crois. Je suis un warrior, on s'en fout totalement. Au niveau des classes, ça ressemble un petit peu à Diablo, hein, de façon très simplifiée. Ah, level up. 2 def. Ah bah non, c'était con, j'avais un truc 3 def. Je prends mon truc 3 def. J'ai deux types de sorts. J'ai l'attaque classique qui a une portée assez... Alors, attendez, là je me prends des dégâts. Qui a une portée assez lointaine, vous pouvez le voir. Et après, j'ai la deuxième attaque qui utilise de l'énergie. Et ça fait... Ça fait une sorte de gros tourbillon autour qui détruit tout. Donc ça peut être pratique. Alors, on va essayer de trouver le boss. Oh, nice. Oh, c'est de l'armure. Ah, des petits taureaux là. Donc le but étant bah, comme un jeu roguelike, c'est qu'à chaque fois vous avez qu'une seule vie et il faut faire le meilleur score possible. Vous voyez, j'ai une petite flèche qui tourne autour de moi et qui m'indique. On va prendre tous ces golds, ça sert. Qui m'indique l'emplacement du boss, à vrai dire. Il doit pas être très loin d'ici parce que vu le nombre de mobs qu'il y a. Ah! Texas Hill the Great. Bon, ça c'est un mini-boss ça. Ça va, c'est simple. Pour l'instant, c'est simple. Mais vous allez voir que dès qu'il y a des mages dans tous les sens, ça devient la misère. Parce que ça tire des boules de partout. Ok, on a une armure qui est meilleure, on la prend. Les contrôles sont vraiment très simples, on reste dans le minimaliste. Et je sais pas s'il y a du... Je pense qu'on peut faire du speedrun. Voilà, eux, les mages, ils sont relous parce qu'il faut éviter leur petite bouboule. Alors, le boss est au-dessus, là, on a un autre boss. On va utiliser ça. Prends cher. J'ai pris assez cher parce qu'il y en avait masse. J'ai utilisé mon méga sort. Ceci dit, quand vous... Ah bah il est là le méga warrior. Meurs! Ouais, bah, j'avais une meilleure armure. Quand vous tuez des mobs, de
de temps en temps, il lâche des popos de santé, donc ça permet de revenir full vie. Bonjour, monsieur. Des zombies chelous. Oh, attendez, là, aurait-on un emplacement pour une épée? Ah bah oui, 30 d'attaque. Attendez, on va prendre ça. Nice. Tiens, il y a plein de mini-boss, c'est assez rigolo. J'avais pas vu ça tout à l'heure. 4 MPS. C'est mana par seconde, ça. Logiquement. Donc, vous voyez, les niveaux sont quand même fermés, n'est-ce pas? Et on va aller vers le boss. J'ai quasiment tout. Ah oui. On a... Attendez, on a une sorte de bourse pour les objets. Je sais pas ce que c'est. Ok, le boss est là. C'est ce sort de slime dégueulasse. Alors, dégueulasse, mais qui tire masse truc. Voilà, il y a du feu partout, c'est la misère. Bon, on va s'éloigner un peu. Il faut que je régène. Oh, je prends trop cher, Ross. Ça va être chaud quand même. Faudrait que je régène. Non, arrête de me tirer dessus. On va se casser un peu plus loin parce que il faut que je trouve des popos de santé. Voilà. Ah, petit level up. Oh, on a rescué des mecs. Ah, ces trucs là, c'est pour les NPC. Allez, allez, on va y aller avec plein de NPC, avec un peu de chance. On bourrine, on bourrine, on bourrine, on bourrine. Fais gaffe à tout ce qui tire, on essaye de pas rester. Ah, il y a du feu. Dégage. Il va encore tirer sa tornade. On peut se protéger. Aïe. Ah, attendez, on a masse NPC, on va en profiter. On a toute notre team avec nous. Merde, il va tirer ses trucs. Aïe, aïe. J'aimerais des popos de santé, s'il vous plaît. Si on allait voir par là. Vous voulez pas... Oh, il y a un petit trésor, là, apparemment. C'est juste de la thune. On va prendre un NPC de plus. Merde, j'ai pris des dégâts, c'est stupide. Il a lâché une popo de santé, on est revenu full vie. Derrière les trucs. Donc voilà, vous avez compris un peu le jeu. Je voulais vous montrer ça, j'ai trouvé ça rigolo et sympatoche. Et là on accède tout simplement au souterrain suivant. Ah bah non, c'est un boss. J'étais jamais venu jusqu'ici. Oh, what the fuck. Aïe, 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 aïe. J'ai crevé. C'était chaud, les gars. J'étais pas au bon endroit. Alors, je peux upgrade mon mana... Ma santé ou mon mana? On va upgrade la santé, hein. Le mana, je m'en fous un peu, j'en ai pas besoin de tant que ça. Alors, vous voyez que les... En gros, chaque fois que j'appuie un endroit, les NPC tous tirent à l'endroit que j'indique. Oh, j'ai acheté quoi? Oh, nice. Ah merde, on peut les acheter, c'est... Ouais, d'accord, je vais pas passer sur tout. En fait, à chaque fois, on a des trucs qu'on peut acheter, ça coûte de la thune. Et on part au floor 1, 2, je ne sais pas combien il y en a en tout. Faisons-nous une petite armée de NPC. Ah, j'ai mieux. Ah oui, on one-shot les trucs. Petit Minotaur. Mini-boss. Notre sort spécial, c'est pas le bordel du tout, c'est ça que j'aime. Alors je prends tous les popos de santé, mais ça a pas trop de sens. Comme les mobs, j'ai pas l'impression qu'ils réapparaissent. Faudrait que je les laisse en fait. C'est pas grave. Ouh, trap, trap, trap. Wow, c'est bon, on a tout ruiné. On a un petit magicien ici à la con. D'ailleurs, j'ai pas vu si mes potions de santé régénéraient mes potes. Parce que je crois qu'ils ont pris cher. Non. Ah, trap. Faut que je fasse gaffe aux trap alors. D'accord, on peut passer en dessous, c'est pas mal. Alors, normalement, au bout d'un moment, il finit par nous indiquer où est le boss. Ou alors, quand on passe à proximité, en attendant, il faut qu'on se balade. Ah. On
quelque chose par là. Ça va, il a pas l'air de tirer de loin, donc on a juste à se balader autour. La bande son est vraiment sympa aussi. Alors je sais que les gars sont en Kickstarter en ce moment, mais ils ont déjà atteint leur objectif de mémoire. Et ça c'est marrant parce qu'il y a une version déjà existante malgré qu'il y ait le Kickstarter. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal, lancer le Kickstarter une fois qu'on a une version déjà jouable. Le Kickstarter permettra de développer sur d'autres plateformes en fait, je crois que c'est l'idée, et de développer plus longuement aussi. J'ai chopé de l'XP, j'ai développé un piège. C'est pas du tout le bordel. Alors on voit peu de choses hein, souvent dans les jeux roguelike. C'est volontaire. Enfin une épée un peu meilleure. Tu veux pas me donner une petite popo de santé toi? Ça je m'en fous. Okay, il a donné de l'XP. Ah, level up c'est bien parce que ça nous permet de régén. On va péter le gros. Rigole moins les... Ça, vas-y donne moi de l'XP. Merde j'ai pas vu. Aïe, aïe, aïe. Ça va pas trop dur à buter. Je peux pas passer par là. Putain, ça, ils vont trop vite. Je me fais tirer sur la gueule. C'est slime à la con. Alors j'ai plus de potes avec moi. Ah merde, c'était un piège. Oh, ils ont pris tarif. Assez étonnamment. Plus de def, on prend. XP, XP, XP. J'ai level up, donc ça c'est cool. On est obligé de passer par ce truc là qui nous ralentit. Ok, le boss est là. Ah merde, je suis pas dans une bonne position. J'ai un meilleur shield ici. Il est horriblement placé ce boss, je suis obligé de me casser. Il y a une épée, on l'a vu. En fait, il faudrait de la vie. Donnez-moi de la vie. Ils veulent pas. 30 attaques, c'est moche. Il me faut de la vie. Allez, le bulwark. Ah, un peu de santé, 6 de def, on s'en fout, c'est pareil. J'active les pièges parce que ça peut me donner de la vie éventuellement, donc bon, ça peut m'en enlever aussi. Quarante attaques, je suis pas mieux pour l'instant. Ah bah il y avait de l'or qui traînait par là. Donc oui, il faut faire attention au début, hein, parce que j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, les loots restent là, donc ne pas... Forcément, il vaut mieux trouver le boss et garder tout ce qui est santé autour pour en avoir après. Voilà, ça c'est pas mal. J'ai un sort qui me permet... Ça doit être ma petite gemme qui me permet... Ah, level up, cool. Qui permet de... On va pas tous les buter ici. Qui me permet de d'empoisonner tout le monde autour de moi. Okay. On va être obligé de buter ça. Je vais déclencher les trappes. Merde, la popo de force sur les deux, la garde. La popo de santé. Aïe, aïe, oui. Qu'est-ce que tu veux? On va essayer de pas passer dans les pièges. Ça va être le plus dur. Le problème, c'est pour esquiver ces trucs. Je m'en fous de toi. Aïe. Ah. On se casse. S'il vous plaît! Merci! Ah oui, ça m'a pas donné grand chose.
Ah oui, ça régène sur le long terme. Voilà. C'est une potion qui permet de remonter la santé, mais petit à petit. Le problème, c'est... S'en fout. Quand on peut lui mettre cher, on lui met, c'est bon, il va crever. Nice. Et à chaque fois on descend dans la cage du boss. Wouah. On me déplace pas assez vite en fait, c'est horrible. Wouah. Wouah. Il va trop vite. Wouh. Alors j'ai pas récupéré les... Ah, il me faut encore du heals up. Alors, qu'est-ce que tu as? Ouh, 60 attaques, je prends. Ici, qu'est-ce que tu as? 9 de death, on prend. Ici, qu'est-ce qu'on a? On kill. Et moi, je sais pas lequel c'est. C'est... Ah, c'est le XP Tom on kill, c'était ça le truc. Ouais, là c'est pareil. Bon, c'est pas grave, on a tout acheté, ça coûtait cher. On passe au niveau suivant. Alors, je pourrais pas vous montrer toutes les classes, mais si ça vous intéresse, on fera d'autres petites vidéos sur ce jeu. Si vous voulez qu'on progresse un peu, qu'on essaye d'aller de plus en plus loin, ça peut être sympa. C'est comme à l'époque où j'avais fait Rogue Legacy. Ah oui, 9 FPS. Aïe. Alors, on va essayer de pas faire la même... Ah oui, j'ai activé des trappes. Même erreur que le niveau précédent, à savoir... Les popos de santé, on va les garder là. Ah, ils sont avec moi, eux. Donc ça, ça doit être mon truc vert. Ça génère des petits pélos qui viennent m'aider. On a un mini-boss. On doit pas pouvoir sortir de la zone, je présume. Pas grave, on va le buter. Putain, on a des sortes de Ghostbusters quoi. Alors j'ai énormément de mana, ça je suppose que ça sert pour les autres classes. Il doit y avoir des classes sorciers et tout où il faut du mana. Ah bah 60 d'attaque, heureusement que j'avais acheté juste avant. Bonjour monsieur NPC. Il commence à faire méchamment mal les autres. Ah, je suis mort, c'est ce que je pensais, je prenais trop cher. Et ben voilà, on sera mort. RT si t'es triste. Alors on attend parce qu'ils finissent de buter les trucs, non. Level 9, Lorrain 3. Putain, j'ai tué 630 mobs. Et on recommence au début. Et du coup, on a nos stats. Alors je pourrais l'upgrade, ça coûte assez cher. Mais sinon, on a Rogue, Mage, Shaman. Je vais tenter un Shaman. Les autres sont débloqués. On va tous les upgrade un peu. Enfin un shaman, un wizard plutôt. On va pas l'upgrade plus. Le warrior j'ai envie de l'upgrade comme un porc. Nice. Allez, on va tenter le mage. Voir ce que ça donne un petit peu. Donc ça ne change pas au niveau des contrôles. Et on démarre au sous-sol 1-1. Je sais pas combien il y en a en tout. Ah oui, d'accord. Ah oui. Son Q-spell est assez violent. Il tire des trucs dans tous les sens. Oh, il a l'air sympa celui-là. Alors on va commencer à s'équiper un peu. Les attaques de base toujours ne consomment jamais de mana. C'est la deuxième attaque qui consomme du mana. Mais la deuxième attaque est tellement pétée avec lui, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus pété que le warrior. On peut attaquer de super loin en fait. Bon, après on est au niveau 1, c'est assez easy. Un peu de def, on s'équipe, il manque juste une armure standard. Ah, les potions de mana finissent par dropper. Alors, nos amis les NPC, bonjour, un petit nain de jardin. Je t'aime bien. Oh, c'est tellement pété sa deuxième attaque, celle qui consomme du mana justement. Ah bah le voilà. Oh, petit anneau qui est peut-être mieux. Aïe, aïe,
Ah oui, par contre... Ah oui, par contre, je prends Chéros. Ok, on va s'éloigner un peu. What? Qu'est-ce qui me tirait par derrière? Alors voilà, le problème du mage, vous avez vu, j'ai résisté beaucoup moins longtemps parce qu'en fait, il a très peu de vie. Donc il fait masse dégâts, mais il a très peu de vie. On va essayer de voir vite fait justement toutes les classes un peu comme ça sera sympa. Pour avoir un aperçu et on se laissera là. Et vous me direz si ça vous tente de faire des petits runs comme ça de temps en temps en vidéo. J'essaierai d'en faire plusieurs et de garder les meilleurs runs en fait. Ah, c'est sympa l'archer aussi. C'est quoi son dessin? Ah oui! Excellent. Équipons-nous. Ah, on a un coffre. Donc il a pas énormément de vie, il attaque plutôt bien. Alors, le problème c'est que je suis dans le... Ouais, c'est pas top. Je suis... Ah oui! On a un scorpion qui du genre est en mode je résiste. Bah il est mort. Putain, on avait combien de boss, de mini-boss ici? Et level up, bah j'espère bien. Oh, on a une machette. Eh, m'embête les gars. Eh bon, j'ai réussi à l'équiper. J'étais pas sûr. Je peux pas péter ces trucs là. Oh, c'est nul. Allez, ami NPC, viens t'amuser avec nous. Y'a déjà des pièges au level 1-1, j'avais pas vu ça la dernière fois. On équipe, on se fait tout le matos de base. Alors, faut savoir qu'on, évidemment, chaque fois qu'on meurt, on perd tout. Donc on recommence depuis zéro en fait. Donc le matos et tout ce que vous aviez, y'a des trucs qui coûtent des gold, c'est que pour votre run à vous en fait. Ah ouais, y'a un gros DPS hein. Deuxième sort, fait de l'attaque de zone. Ah voilà, j'ai enfin la flèche. Ouh, je suis une fusée. Ah, il se déplace beaucoup plus vite. Ça peut être intéressant. Mieux ça. Non, celui que j'ai est mieux. Ah, petite armure. Je sais pas si c'est un casque ou... Par contre on est obligé de bourriner un peu hein, pour lui. Ouh, faut être costaud les mecs. Allez, j'ai qu'une petite machettie. Pas aller loin avec ça. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ah. Ouh, je prends cher. Je peux pas m'enfuir. Voilà, je suis resté coincé dans ces flèches. Faut faire super gaffe à ça. Bon, on va pouvoir tester la dernière classe justement. Un petit upgrade, toi t'étais pas tier 3. Testons voir ce que ça donne par curiosité. Qu'est-ce que c'est? C'est une classe qui heal, j'ai l'impression. Ah oui. Ah, son deuxième sort est chelou. J'ai un peu plus de mal, tiens. Avec... Ah oui, on les brûle de loin en fait. Regardez, je lui jette une sorte de truc d'énergie. 30, j'ai cru 90 d'attaque au début, j'ai fait what? Ouais, j'ai des boules avec moi, c'est chelou. J'ai des boules à facettes. C'est du genre disco quoi. Bon, ça va, ça joue plutôt bien. C'est des grosses attaques de zone. Petit level up au calme. Bonjour monsieur le warrior. T'es mort.
On va essayer de trouver le boss une fois de plus. Ça se te fait un peu aussi au passage. Ouais. Petit coffre. Ouais. Coffre de merde. Il y a du warrior là-bas. Ah oui, on attaque plutôt de loin. La musique est chelou là, pour le coup. Mais c'est bien parce qu'il y a des variantes du coup de musique. C'est pas tout le temps la même chose. Putain, je refais. Les petits monstres de base quand même, on les explose assez vite. Et ben voilà. Je fais attention aux flammes. Flammes de... Ouh, pourquoi j'ai un gros truc? Ah ouais, lui. Ouais, ça j'aime pas, c'est... Il faut d'abord que je les bute eux. Ouais, pareil, il est comme le mage, lui, il a pas beaucoup de vie. C'est un peu un problème. Bonjour, je cherche des potions de santé, s'il vous plaît. Je sais pas où les potions de santé, il y a l'air d'en avoir par ici. On essaye juste d'esquiver tout. Eh mais, jamais... Mec, t'en génères trop de monstres, toi, casse-toi. Crevez tous! Oh! Que vas-tu me dropper? 20 d'attaque, c'est moisi. Bon, on aura eu du gold! Ça, c'est cool. Attendez, qu'est-ce qu'on a de def? On a mieux. De l'XP. Bon, le boss est en dessous, mais après, il faut dire j'ai pas d'armure. Ah, c'est inévitable ces trucs. Une esquive plutôt. Enfin, c'est très chaud à esquiver. Voilà, on l'a buté. Ah bah cool, on a avancé un peu plus loin qu'à la dernière fois. On va finir là-dessus tranquillement, on va voir jusqu'où on peut aller, les gars. Ah, le problème c'est... Comment je fais? Je peux pas m'en échapper en fait. Il bouge trop vite le truc. Faut rester super à distance, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. World Breaker. Bon bah les gars, voilà, c'était... Ouverture, comme une ouverture, mais sans le U. Et sur ce, je vous dis rendez-vous à la prochaine. Ciao les gars!